Après avoir évoqué la notion de maximum pour cette fonction, on va évoquer le minimum. Alors le minimum, ce sera la plus petite des images. Donc si on regarde, en fait, ici, c'est la plus basse des altitudes, si on considérait ça comme une altitude, comme une hauteur. Donc ici, on peut s'apercevoir que cela correspond à une certaine valeur et à un certain point. Donc le point qu'on va visualiser sur la courbe est ici. Donc le point le plus bas. Et ce qui va nous intéresser, c'est le minimum. Et le minimum va se lire sur l'axe des ordonnées. Ici, ce minimum, moins 3. Donc le minimum de votre fonction sur son ensemble de définitions. Et moins 3. Je rappelle l'ensemble de définition, moins 4, 7. Puisqu'on vous demande pour quelle valeur de x il est atteint, on va devoir aller chercher cela. Alors la valeur de x, elle va se dire, donc ce sera l'abscisse du point que nous avons considéré. Donc ici, 5. Donc, il est atteint pour x égale à 5. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.